Bonjour et bienvenue à Rétro 50, l'émission où on retrouve les gens qui ont fait les 50 ans de la TVC Basse-Lièvre. On retrouve aujourd'hui celui qui a probablement été le journaliste le plus longtemps à la TVC, pendant 14 ans, Roberto Bonfilio. Bonjour Roberto, comment ça va? Bien le bonjour, ça va très bien. Puis je m'ennuie de vous autres. On était censé se voir en personne, malheureusement, bon, contre-temps. On se voit via Zoom. Mais Roberto, bon, t'es arrivé ici, je le dis, en 88 et t'as quitté en 2002, donc t'as 14 ans, vécu les années, fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000. Ton arrivée à la TVC, comment ça s'est passé? Ah, c'est un concours de circonstances. De vie. On s'attend pas nécessairement à se diriger vers un champ d'activité professionnelle ou un autre. J'avais étudié à l'Université d'Ottawa en récréologie et puis ce qui m'a amené à travailler pour la ville de Buckingham comme coordonnateur des activités d'été pendant cet été-là. Et puis la télévision communautaire, tel que son mandat le demande, c'était de pouvoir justement relayer de l'information aux parents sur les activités courantes et à venir. Donc, j'étais l'interviewé à ce moment-là, pendant la période d'été. Et puis, André Soucy a fait mon contrat avec la ville, évidemment, un été s'achève. Il me dit, ben, tu viendrais pas travailler comme nous autres, comme journaliste? J'ai dit, ben là, excuse-moi, non, mais je connais rien pantoute là-dedans. J'ai jamais manipulé une caméra, j'ai jamais parlé à personne, j'ai comme zéro expérience. T'es capable. Connaissant André, évidemment. Mais j'étais autodidacte, j'ai pensé un petit peu, puis ouais, n'ayant pas d'autres avenues à court terme, j'ai dit, bon, pourquoi pas l'essayer? Et j'ai resté là pendant 14 ans. 14 ans, on en voit des choses, il y en a des choses qui se passent. Dis-moi, comment, aussi au niveau technologique, comment ça s'est passé? Bon, tu es entré, il n'y avait pas de ce qu'on appelle de télésouffleur, tu me disais au départ, donc il fallait lire les nouvelles sur un papier, essayer de composer ça un peu ad lib. Comment tu faisais pour être capable de rendre les nouvelles? Ben c'est ça. À l'époque où je suis arrivé, il n'y avait pas de technologie à la télévision communautaire de Buckingham, autre que caméra, micro, puis console de son, puis ces choses-là là, pour pouvoir permettre la diffusion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Roberto Bonfilio pour la présentation des infos communautaires, le bulletin d'information qui traite de sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. Eh bien, ce soir, en rétrospective de la semaine, nous allons vous parler des événements qui sont déroulés au cours de la fin de semaine. Il y a entre autres la soirée bénéfice au profit des élans et où aussi l'équipe Atom WC des voisins de Papineau a été qualifiée d'équipe toute étoile dans le cadre de l'année 1989-90. Au niveau de l'enregistrement, c'était... Quand je suis arrivé, c'était des cassettes 3/4 pouces, ce qu'on appelle. Mm-hmm. Puis, ceux qui se souviennent des bons tape recorders qu'on écoute de la musique ou qu'on écoutait de la musique, là, il fallait peser sur Play Rec. Mm-hmm. Ben, c'était comme pas mal le même principe à l'époque. Est-ce que c'était encore du reel-to-reel, qu'on appelle en anglais, là, du à ruban? Ou c'était oui, plutôt. Mais c'était pas deux bobines. On pense à juste une cassette, ben non, cassette c'est, là. C'est pas deux bobines, mais c'est une cassette qu'on insérait, cloc, puis comme les cassettes de 4 pouces là, mm-hmm. pas 4, les VHS. Ouais, Alors je parle au niveau audio là, tu mm-hmm. on se souvient des tapes à cassette. Oui. Ben Ghetto Blaster et compagnie. Là. Bon, c'était le même principe que ça. Puis quand on faisait de l'enregistrement ou du montage, cette machine-là, on pesait sur le... on veut que ça parte là. Mm-hmm, évidemment. Il fallait que ça recule de 5 secondes avec le recorder. C'est un playback versus mm-hmm. recorder. Puis il fallait que ça s'en vienne
pour que ça puisse embarquer juste là. C'était du travail d'ajustement aussi. Là. C'était plus difficile qu'aujourd'hui. Là. On ne sélectionne pas une image. Aujourd'hui, on le sélectionne sur un écran d'ordinateur. On sélectionne telle image exactement. On a 30 images par seconde. On en sélectionne. Et puis, clac, dans ce temps-là, fallait connaître sa machine aussi. Fallait connaître son ruban, savoir comment sa machine avait un peu de délai aussi. Donc, j'imagine que des premiers temps, de maîtriser la machine, c'était pas, il n'y avait aucun standard parce que c'était tout mécanique. C'était ça. Puis le désespoir du technicien ou du journaliste ou de l'équipe technique, c'est quand on avait enregistré puis qu'on voulait insérer soit de l'audio ou du vidéo, d'oublier de passer sur le piton Insert Video. Ah. Là, ça l'air facile, les choses que si tu réparais pas ça, tu avais comme 10 à 12 secondes de blanc et de pas regardable à TV. Mm-hmm. Ça, là, c'était. Ça m'est arrivé à quelques reprises, effectivement, en faisant le montage de tes nouvelles ou dans d'autres émissions. Tu sais, là. Quand tu regardes, tu montes une émission d'une heure, puis. En plein milieu, tu arrives, tu fais ce genre de gaffe-là, tu t'aimes pas pantoute. Surtout que dans ce temps-là, il n'y avait pas de, comme on l'appelle en informatique, le CTRL-Z qui est comme revenir en arrière, ça n'existait pas. Non, si on oubliait un bouton. Effacer, c'est fini. Effacer, c'est fini. Et puis, justement, les sujets, bon, le journalisme n'a pas vraiment changé à la base. Sauf qu'aujourd'hui, bon, tu sais, c'est les médias sociaux, ça va beaucoup plus vite. Dans le temps, est-ce qu'on pouvait se permettre d'aller, mettons, de parler d'un sujet plus tard que dans l'immédiat sans que ça cause vraiment un... on pouvait peut-être plus en parler là, plus facilement plus tard. On n'était pas, on se faisait pas reprendre le sujet là, directement là, par tous les médias qui existent dans le monde. Puis bon, on parlait pas beaucoup de Buckingham à l'époque non plus. Non, regarde, le journalisme de l'époque, là, ça se compare à aujourd'hui, sauf que les plateformes technologiques ont évolué. Là, on parle... Tu parles de quelque chose qui me fatigue, là. C'est la rapidité de l'information. On va parler de YouTube, de Facebook, ces choses-là. Mais c'est pas des sources d'information, c'est de la source de désinformation. Il faut vraiment choisir aujourd'hui sa source d'information plus que jamais. À l'époque, c'est un mal pour un bien pour un mal, mais à l'époque, là, moi, j'ai eu un baptême, là. Puis, on parle d'un baptême du journalisme. Non? Baptême de feu. Oui, tout à fait. C'est que dans la première semaine, André continuait à faire le l'anchorman. Non? Mm-hmm, le bulletin, ouais, l'animateur, oui. C'est ça, le journaliste principal. Et moi, je reportais des nouvelles un peu comme un reporter. Parce que fallait que je m'habitue un peu. Effectivement, un petit peu de période d'adaptation. Mais dans les premières semaines, non. Et il y a eu, avec le maire Reginald Scullion, il y a eu une première page dans le journal Le Droit sur Buckingham. Hey, il y a des BPC dans le cours municipal de Buckingham. C'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Je m'en souviens comme c'est hier. Puis, j'étais vraiment à mon baptême, là. J'étais là. C'est qui ça, M. Scullion? C'est un gros sujet aussi, là. Ah oui, c'est un sujet là, très épineux. Ça venait de faire la une sur le journal Le Droit, le journal régional qui couvre ensemble, on sait, ça n'a pas changé. Mm-hmm. Mais moi, il fallait que j'aille voir ce bonhomme-là, puis dire, ben, faut-vous accorder notre vue à la télévision comme mon père? Puis, je l'ai rencontré. Il était dans son bureau, puis il a dit, viens-t'en, on va aller voir ça, toi et moi, là. Fait que, il m'a amené au chantier municipal, où il y avait les BPC, puis des choses-là, puis il a dit, ça serait dangereux, là, je mettrais-tu ma main dans cette affaire-là? Hé! Hey! Spécial!
Oui, mais je l'ai capté à caméra et en primaire à télévision communautaire. Le maire de Buckingham, suite à, si on pourrait dire, un reportage qui est paru dans le quotidien Le Droit, de tel journaliste, je m'en souviens de son nom, et etc., parce qu'il a fait du sensationnalisme, ben, il s'est mis la main dans le sauce, c'était suivi après, mais il me dit, regarde, hein, est-ce que c'était des BPC, là, finalement? C'est que ça pouvait contenir des BPC, ah, mais c'était pas du pur. Hautement toxique, comme si on avait des déchets nucléaires dans le cours. Malheureusement, la cour était peut-être pas nécessairement bien protégée, disons. Mais regarde, là, c'est comme, puis c'est ça qui était mon reportage de baptême à télévision communautaire. Puis après ça, là, c'est que les gens m'ont comme vraiment adopté. Mm-hmm. C'est que j'ai rapporté la nouvelle comme elle était. J'ai regardé, j'ai fait un petit peu mes devoirs, là. J'ai regardé l'entrevue qu'elle a faite avec récemment avec Marc Chalette. Mm-hmm. Celle que JF a faite avec toi. J'ai vu des backfeelings aussi avec Michel Pilote. Puis je revois bon curé, là, juste parce que je veux dire, j'ai oublié son nom, là, Philippe Gendron. Philippe Gendron, oui, effectivement. Oui, regarde, pour me donner une petite chance, là, je suis rendu vieux le 18, pour être plus souvent, qui nous a quittés il y a une couple d'années. Mm-hmm. L'année passée. Puis, c'est exactement le même message d'origine que lui me transmis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, puis de le côtoyer à la télévision communautaire. Mais c'est exactement le même message. C'est pour les gens de la place qui ont le cœur à la place, Buckingham, Masson-Angers, après ça venu l'Ange Gardien, c'est d'avoir une voix VOIX du peuple pour parler des problèmes, des enjeux, des réussites, des échecs, des challenges, des défis qui nous arrivait tous les jours. Mm-hmm. Aujourd'hui, peut-être que vous, pas juste toi, là, mais vous pensez que oui, ça a peut-être perdu un peu de son âme. Tu sais, là, il y a des gens qui sont arrivés à Buckingham, surtout à Masson-Angers, qui est rendu une ville plus dortoir de Gatineau. Mais de parler des fermières, de parler de ce qui se passe, de la vie communautaire, de vivre, c'est ce que la télévision communautaire doit continuer à faire. Ben, j'arrête là-dessus parce que tu vas sûrement avoir d'autres questions. Mais il faut me garder pour 4 heures, c'est parti. Mais c'est exactement vrai. Il y a un journaliste ici, Yannick Boursier, qui est là depuis quand même une vingtaine d'années, qui me disait en entrevue, il n'y a pas de petits sujets. Et puis souvent, bon, on va traiter des grands sujets dans les médias plus généralistes, mais le petit sujet qui revient... puis souvent qui peut devenir un gros sujet à la fin, parce que bon, on part je me souviens d'un sujet que j'avais sorti l'année dernière, c'est à propos d'une tour à condo de très grand luxe à Namur. Eh ben, ça a sorti dans le journal régional et ensuite c'est allé dans les médias en Outaouais, ça s'est même rendu jusqu'à Montréal. Donc, parce bon, c'est un projet un peu plus grand que nature. Bon, on reviendra pas sur ces détails-là. Mais ça devient que le sujet qui peut paraître anodin, souvent va avoir une portée plus grande après quand on commence à creuser. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant aussi, là, quand on se met à creuser. Puis je pense que c'est là qu'on s'en va aussi dans le journalisme de la télé communautaire, creuser le sujet. Trouver l'angle. Trouver un sujet qui va toucher peut-être une personne
mais qui en fait touche des milliers de personnes. Là, est arrivé les années 90, toute la révolution aussi technologique. On en a parlé au début, il n'y en avait pas beaucoup de technologie. On faisait ça un peu, pas avec de la broche, mais pas loin, si on peut dire. Comparativement à aujourd'hui, on est rendu avec beaucoup de technologie. On ne peut pas pratiquement plus faire de télé comme on faisait à l'époque. Comment tu as vu ça, ce changement technologique-là arriver? De passer de zéro à rentrer des choses un peu plus technologiques, l'arrivée de l'ordinateur d'informatique moderne dans les années 90, comment ça a pu aider le travail? Et ça a fait une révolution. La fois que j'ai réussi à convaincre André à m'acheter le premier ordinateur, je savais même pas comment ça marchait. Ils se donnaient pas de cours, ils se donnaient pas de formation. C'était comme tout nouveau. Il fallait apprendre sur le tas avec WordPerfect 5.1. L'installation, ça a pris 2 heures et des cassettes de 5 pouces et demi. Après ça, une, puis après ça, deux. Il fallait pas que ça plante entre les deux. Il fallait pas qu'il y en ait une qui soit défectueuse. Entre ça, puis le Fortran, il n'y avait pas grande différence. Mais comme tel, après ça, c'est un bel écran bleu. Tu fais quoi avec ça? Ben là, on lit le manuel de 350 pages. Puis, regarde, ça, c'est juste au niveau d'arriver puis à passer du papier que tu essaies de lire. Puis moi, j'écris pareil comme un médecin. Autrement dit, je te passerai mes papiers. Tu ne serais jamais capable de lire, de faire un bulletin de nouvelles avec ça. Là. Je te comprends là-dessus. Je suis pareil. Bon. C'est ça. Et connais-tu un journaliste d'à peu près mon âge, dans la cinquantaine, disons, qui s'est tapé avec du doigté, là? Il y en a quelques-uns. Il y en a peut-être quelques-uns. Mais moi, j'en connais pas. De mon temps, en tout cas. Mais pour revenir à ta question, oui, c'était beaucoup plus long, plus fastidieux. Il fallait, pour éviter de la perte de temps, penser comment on va produire non seulement lors du tournage, mais le tournage était essentiel pour limiter le montage. Oui, effectivement. On fait ça aussi ici. D'où la nécessité d'avoir des courtes séquences. Tu me parlais d'un projet là que tu voulais me parler, là, le projet SIDA et compagnie. Mm-hmm, Opération SIDA, oui, effectivement. Opération SIDA. Mais c'était des courtes séquences. La plupart a été réalisée en studio. Puis c'est un plaisir de faire ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres au niveau de l'engagement de la communauté, des écoles, parce qu'on a fait des émissions aussi. Chaque semaine, on avait un 15 minutes qui était dédié à une école. Oui, avec CSVL En Marche, je pense, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, effectivement. Bon, tu as fait tes devoirs. Oui, ben j'en ai revu quelques-uns d'ailleurs. On va en présenter dans le cadre de l'émission qui s'appelle Dans la voûte. Donc, on en a quelques-uns qui ont parlé de certaines écoles. Ben oui, effectivement. Ben c'est parfait. Puis, tu sais, là, cet engagement-là, on allait le chercher, mais il nous apportait aussi que ce soit. Puis ça, c'est pas du politique, c'est de l'action terrain. C'est qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux, qu'est-ce qui se passe au niveau économique aussi. On va en avoir des entreprises. Et, tout ça, ben, c'est que la technologie, bon, on s'y est adapté, puis elle nous a aidés, elle nous a facilité le travail, mais en même temps, elle nous a rendu des tâches plus difficiles avec l'introduction justement de les ordinateurs de montage non linéaire. Là, on a eu un Matrox à un moment donné. Mm-hmm. Après ça, les premiers ordinateurs qui de montage, Gilbert travaillait là-dessus quasiment toute la journée. Il préparait son montage, puis quand il avait fini, il pesait sur un piton.
Puis le montage était prêt le lendemain. OK. Nous aussi, aujourd'hui, c'est rendu à peu près une vingtaine de minutes. Là. Pour une demi-heure, c'est à peu près 15 à 20 minutes. Ça a beaucoup évolué, évidemment. Et un petit peu à ta santé. Oh, on retrouve des vestiges. TVC 22, ça se passe à 97 pour le 25e, si je ne me trompe pas. Hein. Ce soir, la TVC célébrera bientôt ses 25 ans d'existence. Le Carrefour Jeunesse Emploi, inauguré avec la présence de la ministre Louise Harel. Osborne et Charrette, deux dames du curling qui atteignent leur objectif avec brio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Roberto Bonfilio. Dans un peu moins de deux mois, précisément le 4 avril prochain, votre canal communautaire célébrera 25 ans de présence active dans les municipalités de Masson-Angers et Buckingham et depuis peu dans certains secteurs de l'Ange gardien. Il semble que sa présence soit plus appréciée que jamais. On voit à l'époque aussi, j'ai un article, c'est drôle, ça m'a fait terrer, j'ai un article dans Le Droit qui date de 1972, et puis 1973 plutôt, 18 mois après, on parlait d'une agonie à la télévision communautaire de Buckingham. Ça m'a fait bien rire parce que bon, on est là depuis 50 ans, et puis un an après, on nous mettait déjà pratiquement mort, et on est là encore 50 ans plus tard. Ça doit faire quand même un petit chaud au cœur de voir ces choses-là, de dire « Hey, on a réussi à résister, puis on a réussi à faire de la bonne télé que les gens vont écouter puis qui aiment aussi. » La télévision communautaire, Buckingham, Masson-Angers, Basse-Lièvre, a passé du Canal 5 au Canal 3, mm-hmm. au Canal 22, au Canal 9. Probablement que j'ai passé le doigt dans les mains. Pour non, c'est pas mal ça. Savoir. C'est pas mal ça. Mais c'est avec Saint-Raymond-de-Portneuf, c'était les deux plus vieilles télévisions communautaires, grâce, en tout cas pour Buckingham et compagnie, grâce à M. Chagnon, là, André Chagnon, qui croyait dans cette mission-là jusqu'à temps, ben, pas jusqu'à temps, non, mais il croyait là-dedans. Puis Vidéotron, quand ils ont acheté de Chagnon et compagnie, ils ont été obligés un petit peu de poursuivre parce qu'il y avait une demande, parce que la population était derrière. Et c'est pour ça que c'est important que la population soit encore aujourd'hui derrière vous autres. C'est un appui qui est non négligeable, au contraire. Fait que j'encourage justement la participation, c'est pas juste en donnant des dons, mais en donnant de l'affection, en disant « Oui, hey, je l'aime, ma télévision communautaire. Oui, je la regarde pas 24 heures par jour. De toute façon, le télédac, on s'endort dessus assez vite. Mais pour ce qui est des émissions puis de l'actualité, autant vous pouvez en faire, puis parler de votre du milieu local, ça va toujours rester vivant. Ça fait quand même un chaud au cœur de voir que justement on continue et puis on fait des émissions, puis on est capable de retrouver des gens aussi qui ont participé. Puis elle a toujours été aussi un exemple pour les autres. Avec André, avec l'Association des télévisions communautaires du Québec, il a toujours été là, puis il a toujours été pas juste lui, mais son rayonnement qui était la télévision communautaire, qui avait des acteurs dont j'en ai été un, puis vous en êtes aujourd'hui. Ben c'était un, ça se reflétait ailleurs. Le conseil municipal, les ci, les ça. Il y a plein de choses que la télévision communautaire Buckingham a initié et qui a été reproduit ailleurs, puis qui font la pérennité aussi de ces télévisions-là. Puis tant que vous allez offrir les services d'information et de communication dont la population a besoin, mais vous allez avoir une écoute. Vous allez parler et il y a des gens qui vont vous écouter.
On ne le sait peut-être pas directement, mais c'est en se promenant dans la communauté aussi qu'on l'apprend ici et là. Moi, je me promène et puis souvent, on me parle des émissions. Oh, j'ai vu telle chose, j'ai vu. Surtout, ben, maintenant, c'est par YouTube qu'on le voit, bon, parce que les gens écoutent plus un peu plus sur Internet, mais on écoute quand même. Puis ce qui est le fun, c'est de voir que ben telle vidéo a eu tant de vues, tant de temps aussi de visionnement. Ça nous permet. On n'avait pas de code d'écoute à l'époque, non. On n'en a pas non plus aujourd'hui. Au niveau du câble, mais on en a sur YouTube, sur Facebook, on voit comment les gens interagissent. Et puis c'est drôle parce que quand on met quelque chose de vraiment là, qui parle de nous, ça, ben ça se partage, ça se voit. On a lancé la saison dernièrement, autant on enregistre, donc on est au début septembre. C'est quand même très, très le fun de voir que les gens interagissent encore d'une autre manière, mais ils interagissent aussi avec la télévision communautaire. Ben, en tout cas, Roberto, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce que tu as le goût de dire, justement, pour la suite des choses? Quand je suis parti en 2002, je me disais, une des choses, des rêves que j'ai pas réussi à faire, c'est à mettre la télévision communautaire sur le web, chose qui est faite maintenant. Puis là, j'ai un gap de 20 ans comme il faut d'absence à la télévision communautaire puis dans le milieu puis ces choses-là. Et je pense que vous êtes les meilleures personnes pour voir qu'est-ce qui reste à développer. Eh bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Roberto Bonfilio, je répète, qui était journaliste de 1988 à 2002 ici. Merci d'avoir été à l'écoute de Rétro 50. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité qui a marqué la TVC Basse-Lièvre.